Salut à toutes et à toutes, c'est Silence d'Air 59 et on se retrouve pour l'épisode 5, l'épisode 5, le cinquième festage plutôt, pour mon deuxième épisode de mon Let's Play sur Shinobi 3, sur la Mega Drive bien sûr. On est reparti, comme à l'heure 40. Ah, j'ai pété le jeu, ça a pété son kunai, tiens. Donc, crève, pauvre con. Hop, ça, c'est gratuit. Ah bah j'ai perdu, ah fait chier, de pute. Donc là je me dirige vers leur base. Ah, Zoubi! Pas possible ça! Donc, avec 7 vies, j'ai envie de vous dire, plus les 3 continues qu'on a au démarrage. Donc, pour l'instant, je suis très bon. J'ai perdu qu'une vie. Ah, ça, c'est mal joué encore une fois. Mais bon, vous savez, ceux qui me suivent souvent, ils savent que je suis un gros gros bourrin. Alors, pour jouer à ce site de jeu en étant un bourrin, voilà. Bon, quand je fonce dedans, je perds pas de. Par contre, là, je me suis touché comme un noob. Ah là là, je joue comme un... je fonce comme un porc, là. Allez, là. Voilà. Ah, putain, bien vu, ça. Voilà, tranquille, moi je vais bientôt arriver au boss. Bon, il tire pas, tant mieux. Ah putain, c'est pas possible ça. Un truc power, ça c'est bon ça. Non, faut que j'arrive au boss. Ah bah je vais dire, faut que j'arrive au boss sans me faire toucher, je me fais toucher direct. Donc là, on va faire le lâche, hein. Comme il se retourne pas, mes gens. Tiens, mange. Tiens, mange. Voilà. Comme tout à l'heure. Ah, pas trop. Elle m'a touché. Voilà. Bon, j'en profite. Hein. Faut quand même les tuer pour, je dis comme tout à l'heure, pour faire les points. Parce que sans points, vous n'allez pas aller loin. Gère quand même, hein, je trouve que je gère, surtout avec 300 kunai. Je suis le ninja le plus économe du monde. Oh, j'ai récupéré toute ma vie avant le boss. Oh, ça, c'est magnifique. Encore un robot à la con. Bam. Oh putain, je joue comme un fou. Ah là 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 là. Pourtant il est tout con le boss, hein. Vous voyez, non, je vais faire ça, je dois me baisser, c'est bon, je le nique quoi. Ah bah non, il m'a touché. Bon, c'est bon, je l'ai tué. Bon, j'étais un peu comme un bourrin là, y'a rien à dire pour cette deuxième partie d'épisode. Mais bon. Voilà, putain, voilà, par contre. Ah ouais, ah là là. Alors on va commencer à rigoler les copains. Vous allez commencer à rigoler. Ça, merci. Quand je sais plus bien si on. Par contre, il y a un truc que je vais pas aller chercher, c'est le bras en fond. Parce que. Normalement, on peut aller de l'autre côté, il y a un truc à récupérer, je crois, une vie ou un pouvoir. Mais très casse-couille, parce que c'est dans un petit périmètre. Et il faut faire l'aller-retour, donc je ferai pas. Juste pour pas perdre de vie comme un con. Mais sinon, il y avait un passage dans le fond que je venais de déverrouiller, quoi. Je le fais pas parce que j'ai pas envie. Donc là, pareil. Il y a un truc normalement là. Si j'y arrive à y aller. Bon, il y a des kunai et de la vie. Bon, la vie, j'étais un peu obligé de la prendre. J'aurais pu. Ah, c'est super. Moi, j'ai quoi pour voir qu'est-ce qu'il y a. Qui c'est. La dernière fois, j'étais passé en haut. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'il y a en bas. Apparu.
putain de bombe à la con. En fait, je pouvais faire tout le stage en bas, quoi. Ok. Ok, bon, je passe en bas, tant pis. Ok. Ah, mais je regarde en bas. Oh putain, bon, on va faire ça. Seulement tout le pont va d'un péter, là. Hop, ça c'est fait. Moi, je sais que je dois aller dans le fond avant. Encore une bombe, putain. Ouais, tu vas m'attendre, toi? Non? C'est tout con, on fait péter, hop, on se met comme ça et on avance. Et là pareil, et là pareil, et là on tape, et on fait un double saut, voilà. Power, on va dire que c'est pour les points. Ah, bien joué. J'espère que vous entendrez pas la musique du jeu dans mon casque. Parce que voilà. Bon, la musique elle est superbe. Hein. Vous avez entendu tout à l'heure quand j'ai laissé. Ouais, sur la première partie, j'avais laissé de la musique du quatrième stage. Passage par là, je vais aller voir. On est sûr de pas me casser la tronche. Oh, c'est fou. Ah ouais, je vois c'est quoi. Toi, casse-toi. Ah ouais, ouais, non, 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 je dois refaire ça avant. Allez hop, ça c'est fait. C'est pour ouvrir le passage pour aller vers le boss. J'ai qu'un pouvoir, je sais plus c'est quoi comme boss. Donc, ça c'est la surprise. Ah si, c'est le dinosaure je crois. Moi j'ai un peu spoil, c'est pas grave. C'est juste pour me rappeler c'était qui mon boss que j'allais affronter. C'est vrai que tu tombes dans un trou, pomme t'es vert. Donc là il faut être dans le fond. Ah je connais, hein, faut pas vous en faire. Voilà, on descend, tranquille. Ah Zob, j'ai vu. Je voulais aller trop vite et je me suis fait bien faire voir. Bah je crois que là le premier boss il va me péter. Ce sera peut-être le premier boss qui va me tuer. Parce que là j'ai presque plus d'énergie, j'arrive pas à en récupérer. Moi j'ai de la chance là. Salut. Y'a rien là. C'est une bombe à faire péter, ok. Si j'arrive à monter, voilà. Je vais voir comme ça pour autre chose, en cas où. Ouais, rien d'autre. Rien, ok. Rien non plus. Donc c'est bon. Bon, je monte comme ça, ça va plus vite. Hein. Ah bah tu as une vie. Ha. Ça, c'est bien ça. C'est bon ça, j'ai envie de vous dire. 8 vies, plus mes 3 continues, donc ça me fait un bon panel de vie. Oh. Donc j'avais récupéré un truc power, ça serait magnifique. Parce que là, le boss, c'est très dur. Là, je peux vous le dire, celui-là, je pense que je vais pas le tuer du premier coup. Surtout avec mon niveau de vie actuel. Ok. Vite se casser la gueule, ok. Voilà. Parce que j'ai dû refaire le gameplay, hein, sinon c'est con parce que je l'avais déjà fait quoi. C'est vrai qu'on fait pas attention et qu'on nettoie son disque dur sans. Oh putain, j'ai la chance. Allez, tire mon con. Voilà. Ah. Bon, j'ai tout power, voilà, comme je voulais. Je vais voir là-bas s'il y a rien. Ah, ça va, normalement je tombe, ça va. Ah, si, ça va. Ah bah tiens, là de la vie. Ça. Bon, là, moi je suis au boss.
J'ai envie de vous dire, ça va être chaud. Surtout que j'ai pas la vie complète. Je vais faire ça. Au cas où, pour garder mon truc power un petit peu plus longtemps qu'il faut. Ah bah voilà, j'ai déjà perdu, c'est super. Ah bah c'est mal barré. Ah zoub! Ah bah ça commence très mal. Bon, si vous avez remarqué, il y a des méga drives qui tombent du ciel, hein, mais c'est pas grave. Ah mince, bien joué. Je crois que je vais bien m'en sortir en fait. On va tenter avec ça pour voir si je vais le péter en un coup. Mais normalement ça devrait le faire. Eh yeah papa, il y a encore une vie. Oh là 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 là, c'est le festival des villes. Je suis encore bien meilleur que la dernière fois, tiens. On va dire que j'ai eu un bon entraînement. Sixième stage. Oh là là, oh là là. Oh, par contre celui-là il va pas être facile. Là, je peux vous le dire, celui-ci, je risque d'en perdre des vies. Parce que déjà, rien que le démarrage, faut y aller. Mais normalement, après, ça devrait le faire. Donc voilà. Donc là, faut être pro du double saut. Déjà, si vous n'avez pas fait un double saut, je serais vous, faut vous entraîner. Bon, de temps en temps, je galère. Donc voilà, donc j'espère que là, ça va le faire. Bon là normalement hein. Et c'est bien la première fois que je vais aussi loin sans perdre trop de vie. Hop, faut faire ça, hop. Voilà. Ouais, et puis il y a surtout ces gros casse-couilles là. Ah, là je viens de jouer avec le feu. Hop. Ah, bien joué. J'ai perdu mon power. Ça, je savais que j'allais pas aller jusqu'au bout avec le power. Ça, c'était sûr et certain. Mais pour l'instant, je gère plutôt bien le jeu, j'ai envie de vous dire. Et j'ai envie de dire, tant mieux pour ma gueule. Ah, ça, c'est bon. Un moment ou un autre, il doit avoir une vie qui est là-bas. Ma dixième. Oh, ça c'est bon ça. Prends la faille de l'autre côté direct. Ah, j'aurais pu monter direct, c'est pas grave. C'est pas grave. On peut faire là. Déjà, je joue mieux que la dernière fois parce que la dernière fois je gaspillais un peu trop mes pouvoirs. Donc là pour l'instant, ça passe. On est sur la petite pierre là. Là-bas, hop, normalement je suis bientôt arrivé. Là, il me donne plus d'ennemis parce que ça commence à être compliqué. Hein. C'est juste pour ça que vous voyez plus d'ennemis. Ah, ouais, j'arrive. Ouais, j'ai bien géré là pour l'instant. Ouais, je vais me mettre là comme j'avais fait la dernière fois. L'homme, l'oiseau, normalement, est pas très très compliqué. Je me dis normalement. Par contre, je tombe dans le trou, je perds une vie. Hein. Ça. Tiens,
Apparemment, ça c'est gratos. Je suis un fifou, hein, ça. Ça vous pourrez pas le nier, hein. Parce que faire qu'est-ce que je fais là, taper dans le, en l'air comme ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui tenteraient le coup. Voilà, c'est parfait ça. Bon, je bouge pas parce que c'est, je pense que c'est le meilleur endroit pour pas tomber dans le trou. Mais bon. Bon bah, il va vite clapser. Non, je me suis trompé de bouton. Bah voilà. J'aurais pas mon pouvoir pour le boss. Bah c'est pas grave. Tant pis. Lui, il est claqué. Ah, il y a encore un coup en plus. Putain. Ah, je me suis trompé de bouton. Des fois, je rip sur ma manette Mega Drive. C'est un peu casse-couille. Là, pour ceux qui n'ont pas suivi, je joue sur mon. Je joue sur ma console Mega Drive. Oh là, je l'ai cramé. Alors, va, copain. Bon, 10 vies, ça devrait le faire. Ah ouais, ok. C'est ce stage-là, ok. Le stage le plus labyrinthe du jeu. Donc là, on peut gagner extrêmement de vie. On peut aussi gagner extrêmement de pouvoir, parce que... On peut refaire les stages, les niveaux, à peu près dans tous les sens. Parce que ici, il y a pas mal de portes. Donc, ça peut être très rapide ou très compliqué. Ouais, comme là j'ai fait la première erreur de pas péter le truc, c'est juste pour faire marre, on fait ça, hop. Bon, ça va me permettre de me rebooster en tous les trucs, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, bien sûr tu peux gagner des points, quoi, tu peux, vous pouvez gagner des points. Ça c'est pour l'aspect scoring, mais ça on s'en branle. Faudrait que j'arrive seulement à récupérer ces un pouvoir, que je sais où il y en a un normalement. Donc normalement ça devrait le faire, donc on va faire tout ça. Jouer. Putain. Parce que je peux pas les frapper. Hein. Si je peux frapper quand ils sont là, quoi. Mais sinon. Quand je dis faut pas les frapper, c'est que je peux pas. Ah putain, enfoiré. Putain. Ah, fais chier. Ah putain. Voilà, parce que si je pète la plateforme, je peux plus monter, quoi. C'est pour ça que je disais faut pas les frapper, quoi. C'est ça qui est chiant dans le stage là. Ah, parce que si je pourrais monter tout le temps sur le mur, je le ferais, bien sûr. Faut attendre qu'il repasse, quoi, mais bon, ouais, ouais. C'est la bonne porte. Mais bon, j'ai perdu vraiment pas mal de vie. J'en récupère un peu. Non, c'est pas cette porte-ci. Non, c'est là-bas. Ah là 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 là. Ah putain, puis là les magiciens. C'est super. Ah, fils de... Putain, sérieux. Ah, oh, je suis vert. Putain, je dois remonter. Ah, je l'ai dit, le stage-là est vraiment très casse-couille. Je peux durer une bonne heure dessus si je ne fais pas bien. Bon, je crois que je vais mourir, là, sérieusement. Vous allez me dire, il y a dit ça tout à l'heure. Ah ouais, mais bon là, c'est pas pareil. Bon, il me remet mes coffres, donc en bonus, je récupère mes affaires. Je sais plus c'est quoi comme boss par contre, là. Sérieusement, je sais plus. On va y aller, hein, je vais bourriner, hein, comme j'ai pas mal de kunai. Voilà, c'est ici qu'il faut aller.
J'ai un peu la maîtrise du samouraï. Donc là, je vais le bosser vers le boss. Mais je vais aller l'avant. Je sais que normalement, il y a un pouvoir. Je crois qu'il y a un pouvoir chez Pyrou. Et normalement, où je l'ai passé comme un âne. C'est vraiment là. Ah putain, vas-y. Ah, de la vie. Oh, de la vie. Normalement, je peux monter là-haut si j'y arrive. Non, j'y arriverai pas. Tant pis. Ah, c'est vrai, putain, je fais n'importe quoi surtout. Ça, c'est le pouvoir, c'est tout parfait pour le boss. Ah, putain, il m'a pas mis au bon endroit. J'y vais. Je me suis trompé. Oh putain, il m'a mis au début. Oh non, oh putain. Ah, j'ai chié dans le bec là. Ça va me coûter cher ça. Je l'avais dit, ce stage là était pas... Ah pu... Ah pff, oh là là là. Oh là, c'est mal... Oh là là, c'est mal barré. Je sais plus du tout où l'endroit avec le pouvoir. Oh, fait chier. Putain, je suis... C'est con, mais voilà. Bon, je vais pas essayer de traîner trop longtemps là, parce qu'il y a encore un stage à faire. Au pire, faut mieux que je me rebosse. Et comme ça, je récupérerai mon pouvoir et... Et voilà. Je vais faire comme ça. Parce que là, je pense que je le tuerai pas en un coup avec le peu de vie qui me reste. Bon, j'ai fait un mauvais choix tactique, hein, ça. Mais bon, vous avez vu que le jeu, je peux finir en... Alors, j'aurais bien pu passer le stage bien avant. J'ai fait un peu le kéké, bah, c'est pas grave, on va passer. Je vais essayer de mourir, au moins aller jusqu'au boss. Ah non, ouais, je me rappelle, c'est où... Putain, c'est après. Je suis un âne. C'est à la porte du boss qu'il faut choisir l'emplacement, je crois. Enfin, bref. Donc là, si vous faites écraser, vous mourrez, hein. Ça, c'est pour vous le dire direct. Voilà. Putain, je suis mort devant le truc. Ah là 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 là. Et là, des moments, j'ai le coup, et des moments, j'ai pas le coup du tout. Là, malheureusement, je l'ai pas. Mais bon, c'est pas très grave, je reprends pas au début du stage, je reprends ici. À quelques mètres du boss. Donc c'est pas très grave. En plus, j'ai récupéré mon pouvoir, mais par contre, j'ai perdu tous mes kunai. Oh, on va dire que les pics ils m'ont sauvé. Hein? Voilà. Donc, ah, c'est après. Ok, normalement, c'est là. Donc, là, vous avez soit la salle du boss, là-bas. Normalement. Je vais aller là, c'est pour aller chercher qu'est-ce que je viens de dire. Voilà, vous avez vu, j'ai récupéré le deuxième pouvoir. Et je reviens juste... Ah putain, je dois tout refaire. Oh putain, t'es sérieux. Ouais bon, il fallait un deuxième pouvoir. Ça, je peux vous le dire direct. Vas-y, bah, il fait exprès ou quoi de tourner en rond? Non, 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 je fais pas exprès, vous en faites pas. Mais bon, deux pouvoirs sur un boss, c'est déjà positif. Hein. Voilà. Par contre, faut pas que je perde trop de vie, surtout. Voilà, trop d'énergie. Des moments, je tue les monstres, mais sans faire exprès, quoi. Le coup d'épée, là... J'ai envie de vous dire, c'était vraiment du pas fait exprès. Hop. Hop. C'est assez court. Hein. Normalement, le stage, il est court. Hein. C'est parce que là, je me suis un peu emmêlé les passés au départ. Et puis, sans compter que c'est con, ils vont me faire chier.
Ah mais bande de cons là, vas-y. Bon, mais il me touche sans que je perde de vie quoi, ça c'est bizarre. Enfin bref. Donc il me reste plus qu'à y retourner tranquillou et faire attention. Puis le dernier stage, bah, je ferai le dernier stage sur la prochaine vidéo, hein, comme ça on sera un peu servi. Oh putain, j'ai failli mourir. Là j'ai perdu un carré de vie, c'est pas très grave. Hop. Et là je vais prendre la porte du boss qui est ici. Allez hop, c'est parti. Ah ouais, c'est lui, ok. Oh. Normalement si j'ai la chance ça devrait aller vite. Ah bien joué. Ah bah ça va pas aller vite. Là je me fais défoncer. Ah putain, enfoiré vous. Ah bah je me fais c'est mort. Ah mais putain, il met tout en haut. Et là il met en haut, ok. Prendre ça au cas où. Oh là, j'ai fait le guignol, c'est super. Ah mais putain, j'arrive pas à le toucher là. Attendre la prochaine phase est plus facile. Ah putain, je vais me faire péter. Ah puis j'ai presque plus de kunai en plus, c'est super. Ah bah elle est morte. Ah elle est morte, fais chier. Ah j'ai mal joué, sérieux là j'ai très mal joué. Lui il m'a bien eu par contre. Donc là j'ai effacé la première phase, mais bon. Un point de vie, ouais bien sûr. Un point de vue contre lui, c'est même pas la peine. Je peux vous dire que j'ai déjà perdu. Hein. On refait encore une fois ça, j'ai plus de protège. Ah je suis mort, bah ouais j'ai plus d'énergie, t'as assez con ce qu'il était presque mort. Je l'avais bien crapahuté là. Ah mais il meurt là. Putain je le tue à la fin quoi, t'es sérieux? Ah l'enculé. Ah je suis vert et... Un épique fail de mort et... On est mort en même temps quoi. Ah mais là je vais recommencer ce putain de truc à la con qui va me saouler. Putain, je suis vert quand même. Ah, puis là, il m'énerve quand il est là. Ça, c'est chiant. Ah, je voulais tomber et il a sauté. Ah il est casse-tête hein, lui, sérieux. Normalement, c'est la phase de combat. Je vais mettre mon pouvoir. Et je pense que je vais faire comme tout à l'heure, je vais me mettre en haut. Et je vais lui déglinguer sa mère, il va rien comprendre à la vie lui. Voilà, protection. Tu m'as pris assez pour un con. Mon con. Bientôt mort.
Oh là. Ouais, meurt aussi, ouais. Donc voilà, j'espère que cette deuxième partie sur mon let's play de Shinobi vous aura plu. Merci à toutes et à tous de me suivre sur ma chaîne. Salut et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut les potos!